Bonsoir à tous, je vois que ça se connecte gentiment. Bonsoir, bienvenue sur un nouveau Didélive. Live. Voilà, il y a Nico qui nous rejoint. Salut Nico. Bien, bonsoir. Attends, voilà. On relance un nouveau Didélive Live ce soir, c'est portrait. On va parler un peu glider. On va changer un petit peu du thème. Du thème para, même si on est toujours plus ou moins en lien avec les paras. On va rejoindre Nico tout à l'heure qui va nous faire le portrait de porteur. Un petit bilan avant, un petit point sur Didélive. On peut vous garantir aujourd'hui, bonne nouvelle, qu'on sera présent en Normandie pour le 76e anniversaire du débarquement. Déjà, on va pouvoir vous faire quelques lives. Il y en a qui seront programmés, qui seront à différentes heures du jour et de la nuit. On vous mettra un petit programme. On sera sur plusieurs lieux et plusieurs interventions qui seront en direct de la Normandie entre le 5 et puis le 6, peut-être le 7 juin. On va voir du temps qu'on dispose. Nico, comment tu Ouais, vas? eh ben ça va pas mal, ça va pas mal. J'aimerais bien que le gouvernement nous dise qu'on peut faire au moins 400 bornes en bagnole. Alors, Et puis ils font un nouveau point le 2 juin, donc on croise les doigts, hein, pour qu'ils élargissent un petit peu le rayon de mouvement, hein, c'est ce qu'on faut attend. croiser les doigts. C'est ce qu'on attend avec impatience. Donc les voitures seront prêtes le 2 juin. Et en fonction de ce qu'ils nous disent, départ. On croise les doigts, mais bon. On verra bien. On verra Quoi bien. qu'il en soit, nous on sera là-bas pour vous faire partager ce qui va se passer. Il y a différents petits trucs qui s'organisent avec différents groupes, avec différentes associations qui sont actives là-bas et qui veulent vraiment marquer le coup. Donc on essaiera d'être sur tous les fronts. On fera de notre mieux. Nico, tu te présentes un peu? Ouais. Donc, je m'appelle Nicolas Mérest et je suis un des membres des Clébornes Duck. Ah. Donc t'en es déjà au troisième sur les présentations d'Idée Live. Mais ouais, vous êtes très actif, quoi. Tu vas faire tout le groupe comme ça, t'es tranquille. Ça fait une petite dizaine d'années que je fais de la reconstitution, mais d'abord je faisais de la reconstitution contemporaine sur la dixième mountain sur la période 2000-2005, donc Seconde Guerre d'Irak et la guerre en Afghanistan. Donc pour tous ceux qui ont vu Démineurs ou Korengal Valley ou Restrepo. Alors Korengal Valley et Restrepo, c'est des films qui ont été faits par les soldats eux-mêmes avec les caméras fixées sur casque. Donc c'est pas des films qui sont hyper connus, mais bon, c'est des films à voir pour tous les passionnés de cette époque. Et donc c'est les uniformes qui sont en pixels gris. Donc le film Démineurs, c'est clairement ça. Donc j'ai fait ça pendant ouais 5 ans, au moins 5 ans. Et bon, pour des raisons perso, etc., ça s'est un peu arrêté, mis en stand-by. Bon, j'ai toujours mon matos, mais ça s'est un peu mis en stand-by. Et j'ai rencontré Aurélien et son père dans des trucs un peu perso pour passer mon permis. Je vais pas rentrer dans les détails. Et en rencontrant ces deux messieurs, ils me disent: ah, bah, nous aussi on fait ça, mais Seconde Guerre mondiale. Donc bon, j'avais toujours envie de le faire, mais bon, tout seul, tu connais personne, aller en Normandie tout seul avec du matos, bon, c'est un peu tristoun. Et donc je les ai suivis, et depuis je suis plongé avec eux. Mon banquier me déteste, et je suis plongé avec eux, et la formation du groupe qui a évolué. On était trois, puis quatre, puis maintenant on est six. Puis on va sûrement un peu continuer. Puis on a fait des trucs avec les Klondike que j'embrasse, avec les démos, avec plein de groupes qui sont connus. Puis là, on commence à monter en fait plein de petits groupes, mais qui se voient souvent pour faire des trucs ensemble. C'est L'idée, bien ça. c'est pas qu'on soit 30, mais qu'on soit voilà des petits groupes d'une dizaine. Mais comment on puisse faire des trucs sympas? Parce que la logistique pour déplacer rien que 6 personnes, c'est une catastrophe. Alors t'imagines bien 30, ça doit être Complètement. une catastrophe. Tout à fait. Et donc cette rencontre, t'as fait un peu te pencher sur Porter, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors en fait, ce qui s'est passé, hop, j'ai Internet qui tourne en même temps. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai rencontré Aurélien et son père, eux faisaient déjà du para. Donc on en a parlé, etc. Alors bon, ils avaient aussi des tenues d'infanterie, etc. Mais
ils avaient envie de faire du para, principalement. Et en discutant avec eux, Aurélien en a parlé quand il a fait sa présentation. En discutant avec eux, en fait, il y a une espèce de comment je pourrais dire ça, quelque chose de mal vu en fait dans le monde de la reconstitution VV2, qu'on appelle les bobistes. En fait, c'est les mecs qui sont inspirés de Band of Brothers et qui font tous de la Easy Company 506. Mm-hmm. Ce qui est un peu triste parce que des Easy Company, il y en a eu dans chaque bataillon. Donc bon, alors la série faisant que le 506 est hyper connu, c'est cool, mais tout le monde faisait que ça. Ce que je trouvais un peu triste, et tout le monde faisait du para aussi. Et comme à l'époque on était que trois dans le groupe, ça m'intéressait. Bon, je peux pas dire que ça m'intéressait pas, mais bon, je voulais faire autre chose. Que je dise pas de bêtises. En fait, je sais plus pour quelle raison, en discutant, etc., on décide de se faire un samedi ou un dimanche en Normandie il y a 4-5 ans. On va sur Omaha Beach. Et Aurélien et son père sont des passionnés tels qu'en fait quand on se déplace on se déplace avec des bouquins, et en fait on va sur les lieux et alors on prend les photos, les noms des mecs, et puis en fait on se dit bah tu vois là, alors le mitrailleur allemand là, très connu, Heinrich Severlo, qui est le boucher d'Omaha en fait, qui a tué des milliers de soldats, bon voilà, il était là, la MG42, il a tiré tant de munitions, enfin c'était très 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 impressionnant de faire ça avec eux, très précis surtout. Donc on passe un peu de temps sur Ma. Forcément on va à Colville, on fait le musée. En sortant du musée, on va se balader dans le cimetière. Donc on va voir Theodore Roosevelt Jr. qui avait débarqué sur Ma. On va voir les quelques soldats qui ont reçu la Medal of Honor. On va voir les frères qui ont inspiré l'histoire du soldat Ryan pour le film. On balade comme ça un peu et puis on regarde les tombes, on voit, bah, il y a du 506, du 501, etc. On marche, etc. sans vraiment de but précis. Et à un moment donné, on tombe, ah, la grosse blague, on tombe sur la tombe d'un, humour très fin, on est bien là, d'un soldat, Porter B. Maccabi, et son inscription de tombe, on va y revenir après parce que c'est une histoire assez incroyable, c'est 101e Airborne, 401 GIR. Donc glider infanterie régiment. Et à ce moment-là, on savait pas ce que c'était. C'est-à-dire quand on a vu 401 attaché à la 101e, autant la 101e 501 2 6, pas de problème. Mais 401, ça nous parlait pas. Donc on cherche un peu sur internet, on voit que c'est des gliders. Donc en fait des troupes d'infanterie rattachées au para pour les combats à venir et qui étaient amenées ou par planeur ou par les bateaux. Et moi, pour une raison un peu perso, en fait, je trouve que l'uniforme d'infanterie est vraiment sympa, avec les guêtres, le havresac, la pelle dans le dos. Bon, puis on a tous grandi avec il faut sauver le soldat Ryan, machin. Donc la tenue infanterie, je trouvais ça vraiment vraiment sympa. Ouais, l'équipement est assez. Moi, c'est pour ça que quand je faisais leur consti, je faisais du médic. On avait une tenue HBT et c'est tout. C'était l'avantage. Vous n'avez pas toutes ces guêtres à mettre le matin. Enfin, ouais, c'est juste une question de lacets. Hein. On a les corps courants, c'est le même problème. Je comprends que les gliders, ils ont une tenue d'infanterie et ils ont servi avec la 101e Airborne. Donc pour moi, ça rejoint ce que je voulais faire, c'est-à-dire pouvoir porter le patch de la 101 avec une tenue d'infanterie. Donc là, j'ai tout gagné. Je tombe sur un gars qui me prouve qu'il y a bien eu des soldats d'infanterie. J'aurais pu faire la 4e d'infanterie division, par exemple, mais on a quand même pas beaucoup de photos. On sait qu'ils ont combattu, mais pas tant que ça. Enfin bon. Toute la complexité qu'on connaît du truc, fallait quand même qu'on reste dans un thème sérieux. Et là, pour le coup, ben, le 401, ça rejoignait complètement ce que je voulais faire, une tenue d'infanterie rattachée à la 101e Airborne. Donc, la première année, quand je suis allé en Normandie avec Aurélien et son père, j'avais une tenue de glider. Donc, j'ai profité de la Normandie pendant quelques jours, c'était hyper sympa, etc. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je fais du 502 para et que j'ai tout le matos. Hein. Ils m'ont converti, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de lézard sur le sujet. Hein. Puis là, ils sont en train de me parler de faire une 82 et puis du 325. Enfin, bon, on est plus à ça près. Ton bandit te déteste encore plus. C'est ça. Et donc, en fait, ben, j'ai décidé un peu par hasard. Pas par hasard, par respect pour lui, de m'intéresser à sa vie, à la vie de ce soldat,
parce que bah c'est lui qui m'a donné envie de monter une première tenue et puis ensuite de continuer, etc., etc., etc. Et c'est là que la grosse histoire commence. Parce que rechercher un soldat, malheureusement un peu anonyme dans cette grande guerre, ça fait 4 ans que j'y suis, et il y a encore 3 mois, en faisant des recherches un peu plus poussées, que je vais vous expliquer là dans la vidéo, tout a été chamboulé, et ce que je croyais savoir sur lui, en fait, est pas faux, mais beaucoup plus complexe. Et ça m'a pris 4 bonnes années. Et j'ai pas fini. Donc j'ai commencé. Donc sur sa tombe, porteur Bill McCabe, 101e, 401 glider, et il est mort le 19 juin. Et en fait, derrière les tombes, on a leur numéro de. Ça fait pas bien de dire comme ça, mais c'est serial number en anglais. On a leur numéro de série, leur numéro d'identification en fait unique par soldat. Donc j'ai commencé à chercher des infos sur lui, sur le site des archives gouvernementales américaines. Donc il s'est engagé. Je l'ai là en fait, je regarde mais parce que je l'ai sur le côté. Il s'est engagé le 11 mars 42, ouais c'est ça, en Caroline du Nord. Et il a été automatiquement transféré à Fort Bragg. Alors j'imagine en 42 directement dans les gliders. Je pense pas. Alors j'ai pas autant de détails qu'Aurélien sur ce qui a pu être sa vie avant les combats en Normandie, même pendant d'ailleurs, hein, parce que ben comme il est mort au combat. Je vous expliquerai après ce que j'ai retrouvé sa famille, etc. Enfin, je vais y venir. Personne n'a vraiment, je vais pas dire cherché, mais j'ai pas de bouquin ou j'ai pas d'infos très précises sur ce qu'il a pu faire avant ou pendant la campagne de Normandie, vu qu'il n'a pas survécu et que bon bah il est enterré là-bas et sa vie s'est finie comme ça, quoi. Donc je trouve plein d'infos, enfin plein d'infos. Tous les sites sur lesquels j'ai pu aller, donc il y a Back to Normandie, Normandie Remember, des choses comme ça. Tout le monde fait mention du fait qu'il était 101e 401 GIR. Et sans plus d'infos, je trouve pas grand-chose. Sauf une page où il est mentionné dans une liste de 84 soldats, où la page, grosso modo, elle dit qu'en fait, sur sa tombe, il y a une erreur. Il serait pas de la 101e, mais de la 82. Donc, comme c'est la seule information que j'ai trouvée sur le sujet, je bosse sur Internet, je me dis, allez, c'est peut-être une erreur d'erreur, je me fie pas toujours à ce que je peux lire. Donc, je mets ça un peu de côté en me disant bon, de toute façon, c'est sûrement une bêtise, c'est pas très intéressant. Le 101, donc je suis resté un peu. Pardon? Ça a été un tout petit peu coupé. Donc, je disais, je partais entre guillemets du principe que c'était une erreur du site internet que j'avais vu, parce que même le site gouvernemental des États-Unis faisait mention qu'il était de la 101. Donc je me dis bon, j'ai mis ça un peu de côté puis j'ai laissé tomber. Et pendant donc ça c'était il y a 4 ans, j'ai bossé un peu dessus à peu près 6 8 mois, et puis je trouvais pas grand-chose, j'arrivais pas à avancer parce que c'est un anonyme parmi les milliers de soldats qui ont combattu dans cette guerre et qui est mort pendant les premiers jours de la bataille. Donc, très compliqué de trouver, je me fatigue un peu, je laisse tomber pendant quasiment 2 ans. Et on est en 2020, donc il y a 2 ans de ça, je me dis, allez, je tente un dernier coup, en particulier sur les mots-clés dans Google, en disant en 2 ans, peut-être qu'il y a des archives ou des infos qui sont ressorties sur le net. Et bon, je vais trouver un truc, quoi. Donc en fait, c'est surtout les associations de mots-clés que j'ai changées en cherchant son nom et la ville dans laquelle il s'est engagé, qui est Anderson County. Et là, miracle, si on veut ça comme ça, je tombe sur une page. Alors en fait, dans la recherche Google, je me rappelle très très bien, il y avait la recherche, le nom de la recherche Google, qui parlait de Zeb D. Maccabi, et en dessous, dans les mots-clés recherchés, il y avait Porter B. Maccabi. Et le site internet, c'est Find a Grave. Alors en fait, Find a Grave, c'est un site internet américain
partie grosso modo liste les arbres généalogiques plus des photos des tombes ou des gens qui sont décédés. Mm-hmm. Un peu en particulier, mais bon, les Américains, on va pas épancher sur le sujet. Et donc je clique sur cette page et là j'arrive sur une page d'internet sur laquelle je tombe. Il y a une photo donc de ce monsieur-là. Tiens, d'ailleurs, il y a le reflet, il faudra que je fasse gaffe. Donc, ce monsieur, alors, j'apprendrai plus tard qu'il s'appelle Zébulon Maccabi, c'est son père. Dans la page, en fait, il y a des petites informations sur sa date de naissance, de mort, sa femme, qui s'appelle Maggie Belle Connor Maccabi, cette dame. D'accord. Bah, sans les reflets, c'est mieux. Je vous parlerai après de l'enfant qui est là. Et rattaché en fait à ces deux pages, ils ont eu il y a des gens qui me disent que je bug. Tu me captes bien? Non. Ouais, il y avait un ralenti d'image, mais t'es revenu. OK. Mais on t'a toujours très bien entendu. OK. Et en fait dans la liste, ils ont eu 7 enfants et dans la liste, il y a porteur. Et donc il y a une page qui renvoie sur sa fiche à lui que j'avais jamais vue avant. En 6 mois de recherche. Donc, je clique dessus, je tombe sur la même page. Mort le 19 juin, il y a la photo de sa tombe sur ce site, donc c'est sûr que c'est lui, j'ai pas de doute sur le sujet. Mais pas de photo de lui, déjà, ce qui était un peu pour moi le saint graal de la recherche. Et des bricoles à droite à gauche, je scrolle dans la page et je vois qu'il y a une section commentaires. Et dans la section commentaires, le saint graal, un commentaire de. Alors, elle veut rester anonyme, donc c'est sa nièce. Donc c'est où elle avait écrit en anglais. Je suis la nièce de ce soldat. Je l'ai pas connu. J'ai connu ses 6 frères et sœurs. Elle fait la liste des prénoms. Il était pas marié et il n'avait pas d'enfant. Commentaire daté de 2015. On était en 2018. Donc je me dis, j'ai peu de chance de tomber sur le truc, mais j'y vais au culot. Je fais des recherches sur le site pour essayer de récupérer son mail. C'est pas possible, il faut que je me crée un compte. Donc, je me crée un compte sur le truc, je lui envoie un email. Je lui écris ce que je viens de vous dire. L'histoire, en gros, j'ai décidé de le fleurir lui, de m'occuper de sa tombe, etc. Enfin, donc, en tout cas, de rendre hommage à ce soldat alors que je le connais pas du tout. Donc, première chose, je leur demande si j'ai le droit de le faire, s'ils sont d'accord pour que je continue à mettre des fleurs parce que je fais ça sans autorisation, finalement. Et elle me répond 48 heures plus tard. À l'américaine en me disant génial, magnifique, on est super honoré que tu fasses ça. donc elle répète, hein, on l'a pas connu, mais on cherche des informations sur lui. On n'a pas eu l'occasion d'aller en Normandie, mais on aimerait le faire, blablabla. Elle me donne son Facebook et là, on s'est mis à discuter pendant des heures et des heures et des heures. Et pendant la discussion, elle me dit, bah écoute, je suis en train d'écrire une biographie sur ma famille et je voudrais que t'écrives le chapitre sur Porter, que t'écrives une vingtaine de pages sur ce qu'il a potentiellement pu vivre en Normandie et dans quelles circonstances il est mort. Donc là, là pour moi, c'est l'apothéose de mes recherches et puis surtout de ce que je peux continuer à faire et à faire pour elle. Alors que je la connais pas, hein, je l'avais jamais vue, elle vit à 6000 km, j'ai aucune raison, mais c'était pour moi c'était hyper touchant. Et elle me dit, bah moi j'ai un peu d'infos sur lui. Donc elle m'envoie d'abord, alors je vais vous le montrer, sa feuille d'engagement. Tac, je crois qu'on pouvait faire ça, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est la feuille qu'il a signée pour s'engager, le 11 mars 42. Alors c'est marrant parce qu'en fait là, on a sa signature. Donc là, on voit bien le porteur, Mac Abbey, mais on voit bien que c'est très très mal écrit parce qu'il était fermier et sûrement, bah, malheureusement, il savait pas ni lire ni écrire. Et donc on voit clairement que sa signature, elle est très approximative, quoi. Pour la petite, ça me fait penser pour la petite histoire parce que je le vois. Il est né le 28 décembre 1912. Donc quand il s'est engagé en 42, il avait 30 ans. Ce qui fait déjà assez, alors c'est jeune, hein, mais ça fait assez vieux par rapport à ses petits camarades qui avaient 18-20 ans et qui ont pu eux sauter en Normandie, qui étaient très 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 jeunes. Et donc là, bon bah moi j'avais un espèce de culot, enfin de chance folle. J'avais des photos de ses parents, j'avais des informations sur son quand est-ce qu'il s'est engagé.
On a contacté ensemble les archives américaines pour savoir s'il n'y avait pas plus d'infos. Il faut savoir que les archives, il y a une partie des archives qui ont brûlé en 59, et il semblerait qu'ils ont perdu pas mal de paplards. Donc ils nous ont filé juste le document qui était écrit au moment du décès, où il a reçu la Purple Heart à titre posthume, mais ça s'est arrêté là. Donc moi je me lance dans l'écriture en fait du chapitre basé sur la 101e et la 401 Glider. Alors il faut savoir que le 401 Glider, c'était un bataillon qui était composé de deux régiments, le 1-400 et le 2-401. Et en fait, juste avant la bataille de Normandie, le 1-401, donc il a été divisé en deux. Le 1-401, il a été versé à la 101e pour être le troisième bataillon du 327. C'est un peu compliqué. Donc ouais. Le 3-327, c'est le 1-401, c'est la même chose. Et le 2-327, il a été versé au 3-325, donc les gliders de la 82e Airborne. Voilà. Parce qu'il manquait un bataillon dans chaque, et donc ils ont décidé de diviser celui-là. Alors qu'il avait été constitué, il n'a pas été arrêté. Hein, c'est juste, ils ont pris les mêmes bataillons et hop, ils les ont transférés. Donc moi, je pars là-dessus. Donc le 401, 101e, hein, il a débarqué le 6 au soir sur Utah. Il a été combattre du côté d'Angoville au Plain. Ensuite, il est passé par le Deadman Corner. Ils sont remontés pour attaquer Saint-Côme-du-Mont. Et puis après, ils ont fait tout le tour pour attaquer 40 ans par le port. Et c'est là où je perds leur trace. C'est un peu après la bataille de 40 ans. Je ne sais pas très bien où est-ce que se trouve le régiment. Et puis surtout, ben, le 19 juin, impossible de trouver ce qui a pu se passer pour que sa vie s'arrête à ce moment-là. Mais bon, je perds pas espoir. Je cherche des bricoles, etc. Et puis, en fait, je me dis, je vais tenter un truc, c'est que je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres soldats de ce régiment-là qui sont morts le 19. Si c'est le cas, je vais faire des recherches sur eux, donc ce qui prend encore plus de temps, et si je trouve comment eux sont morts, et que s'il y en a 4-5, je peux commencer à faire l'hypothèse qu'il était sûrement avec eux et qu'il est mort dans les mêmes circonstances. Et en cherchant, je me rends compte que les noms que j'ai vus dans la liste dont je vous ai parlé au début, où il y a des erreurs sur les tombes, les 84 noms, il y a des noms qui reviennent. C'est pas la première fois que je les vois. Et ça me fait tiquer. Et en fait, donc j'avais écrit une vingtaine de pages, j'avais mis des photos, etc., des gliders 401 dans 40 ans, machin. Hein. Et il y a un truc qui me chiffonne, ça me posait problème. Et il y a 3 mois, le site dont je vous ai parlé au début, là, je me dis au culot, pareil, j'envoie un mail. Et je lui explique l'histoire. Et voilà, je suis un Français, je pleurais une tombe, je connais la famille. Vous êtes le seul site à mentionner le fait qu'il y a une erreur sur sa tombe et qu'il avait l'air d'être de la 82, donc du Glider 325. Est-ce que vous avez des infos pour alimenter en fait ce propos, comme vous êtes le seul à en parler, je trouve ça étonnant. Et là, pareil, une chance monstrueuse, le gars me dit « Ouais, j'ai des infos, cadeau. » Et il m'envoie 5 ou 6 documents sur lesquels il est mentionné dans la 82, donc dans le Glider 325, et pas dans la 101. Alors, je vais vous les montrer, ces documents. Alors, le premier, c'est un document qui a été déclassifié, qui est daté du 12 octobre 44. Alors, hop. Donc, 12 octobre 1944. C'est un document, en fait, qui liste tous les soldats enterrés dans la période je sais plus exactement, c'est pas très, très important. Et donc là, tadala, Maccabi Porter, juste, hop, ici. Donc là, vous le voyez là. Private, c'était bien ça. Et donc, 400 Glider, 82e Airborne. OK. Enterré le 23 juin au cimetière de Sainte-Mère-Église, le numéro 1, cimetière temporaire. D'accord. Donc déjà là, un truc du 12 octobre, c'est compliqué entre guillemets de le remettre en question, quoi. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas des erreurs, machin, bon. Parce que là, pour le coup, c'est clairement 401 et 82e. Alors que lui, il est 401, 101e sur sa tombe. Donc sujet, enfin truc quand même assez intéressant. Bon, et puis et j'ai 2 autres documents, pareil hyper intéressants. Le premier daté du 28 juin
44. Il a été rédigé au camp March Hare, pardon, en Angleterre. Donc en fait après la bataille de Normandie quand ils sont rentrés. Il est rédigé par le capitaine W.M. Hall. J'ai pas encore trouvé exactement si c'était un William ou autre chose. Et en fait, dans le document, hop, je vais vous le montrer aussi. Donc en fait, c'est un rapport de compagnie, donc du 28 juin 44, d'accord. Et la première ligne, là, on voit que Porter est mentionné comme étant missing in action en France le 19 juin 44. D'accord? Donc, voilà. C'est bien, hop, c'est bien rédigé par un capitaine du 325 Glider. 325 Glider, c'est la 82, hein, pour continuer de bien préciser. Ah oui. Voilà. Et donc là, c'est pareil, ça commence à faire un peu de matière, quoi. Et j'ai un autre document rédigé par le même capitaine, daté du 5 juillet 44. Donc le voici. 5 juillet 44. Toujours au même camp. Alors, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il est rédigé. Enfin, ce capitaine était du détachement A de la HQ Company du 401 Glider. Hein. OK? Et là, Porter. Alors, de mémoire, il est un petit peu plus bas. Allez, vas-y, fais le point, mon pépère. Voilà. Donc là, vous le voyez, Maccabi Porter. Et en fait, il le passe de Missing in Action en France le 19 juin à Killed in Action en France le 19 juin. Donc, ils ont changé son statut pour pas qu'il soit missing in action, mais kill in action. Donc là. Tu veux dire quoi? Question, est-ce que tu vas peut-être pas pouvoir me répondre, mais c'est-à-dire que, le premier rapport, il est porté disparu. Ouais. On peut supposer qu'ils n'ont pas le corps. À ce moment-là, ouais, parce que dans le document du 12 octobre, il a été enterré le 23 juin à Sainte-Mère-Église. Alors, en fait, je vais y venir parce que dans les j'ai le rapport des hôpitaux de l'année 1944-45 sur son admission en tant que tué, hein, malheureusement. Et on va voir ensemble là ce qu'il a sûrement tué, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont pas retrouvé son corps tout de suite. C'est pas très joli, mais c'est les horreurs de la guerre. Hein. Donc, j'en étais où? 325 Glider Infantry Régiment, ça a l'air d'être vraiment ça, quoi. Il était de la compagnie HQ du 401, du 2-401, qui a été rattaché au 3-325, et le 3-325, c'est la 82e Airborne. Donc, c'est tous ceux qui ont participé à la bataille de la Fière, de Gloper, etc., etc. Tous ces gliders, là, qui sont un peu connus, sont très connus pour nous reconstituteurs. Voilà. Donc moi en fait, alors je vais continuer sur les documents, sinon on va pas s'en sortir des tas de trucs. Voilà. Et donc j'ai ici, voilà, le document des hôpitaux. Alors le document il était daté de 2015, je pense qu'il a été réédité. Donc c'est bien l'information pour l'année 1944. Donc le numéro là c'est bien celui de Porter. Il était dans l'arme de service infanterie airborne glider, ce qui est cohérent. La date d'admission juin 44. Mm-hmm. Donc en fait il a même pas été admis en fait dans un centre de soins, puisqu'en fait il était tué, quoi. Enfin, voilà. Donc là on voit, hop, donc excusez-moi, je tremble un peu. Que les blessures wounds étaient body generally, donc en fait c'est son corps complet qui a été touché, et voilà la cause. Voilà ce qu'ils ont listé, c'est artillery shell fragments, alors, a foot, la traduction je l'ai pas encore bien comprise, c'est unspecified. Donc en fait a priori malheureusement ce pauvre porteur aurait été tué par un obus. Ce qui pourrait expliquer qu'ils ont mis du temps à peut-être l'identifier. Il a quand même été enterré le 23 à Sainte-Mère-Église. Et en fait, le temps que l'information remonte auprès de ses commandants, ça explique la différence entre le 28 juin et le 5 juillet, des deux rapports qui ont été émis sur ce soldat. L'information pour l'instant que je n'ai pas, c'est comment ça se fait que au moment où il est passé de Sainte-Mère-Église à Colville, ça tombe
qui était sûrement 82, est passé 101e. Ça, pour l'instant, je me l'explique pas. Mais comme il y a apparemment 84 tombes au cimetière qui ont cette erreur et qui sont listées, en tout cas, ça a l'air d'être connu, c'est toi qui m'avais conseillé peut-être de contacter le cimetière. Le cimetière ou la BMC, ouais. Nous, on s'est renseigné avec les contacts qu'on avait. Et effectivement, quand tu arrives à monter un dossier qui prouve qu'il y a une erreur sur les gravures, ils peuvent, hein, ils ne font peut-être pas systématiquement, pardon, mais ils peuvent prendre la décision de corriger l'erreur. Bon, bah, donc, c'est ce qu'on s'était dit, c'est qu'en fait, il faudrait que je monte un dossier béton pour, pas pouvoir prouver, mais, Là, je suis au balbutiement. C'était il y a 3 mois et ma vie a été chamboulée. C'est un peu culotté de ma part. Mais voilà, moi j'ai quand même rédigé une trentaine de pages pour la nièce, pour son bouquin, qui sont fausses en fait, qui ont l'air d'être fausses. Alors après, ça pourrait peut-être alimenter le bouquin en disant j'ai fait des recherches comme ça. Puis finalement, en fait, c'est pas ça. L'histoire est assez étonnante, assez étonnante. Et pour la petite histoire. Pas de photo de lui. Depuis que j'ai commencé mes recherches, aucune photo de lui. Comme t'en as mis une sur Instagram. De toute façon, elle est sur mon profil. Maintenant, j'en ai une et je vais vous raconter comment. Ce qui est rigolo, c'est que donc Porter, il s'est engagé le 11 mars 42. La nièce avec qui je discute est née le 12 mars et moi, je suis du 13 mars. 13 mars 89. Donc en 2019, j'ai eu 30 ans. Comme lui, quand il s'est engagé dans l'armée. Et le 13 mars, elle m'envoie un message en me disant, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai, mais je voulais pas te le donner. Et donc, pour mes 30 ans, elle a demandé à sa famille et ils ont retrouvé une photo de Porter. Donc, elle m'a offert ça ce jour-là, ce qui avait beaucoup d'importance pour moi puisque ça faisait 4 ans que je cherchais. Et enfin, on a une photo officielle de Porter Maccabi. Et donc j'ai été hyper hyper fier cette année de pouvoir prendre une photo au pied de sa tombe avec les photos de ses parents. Ce qui avait jamais été fait, en fait en 75 ans, lui étant mort en 44, il est jamais retourné au pays, ses parents sont morts aux États-Unis et ils ont jamais été réunis. Hein. C'est encore une fois un peu culotté de ma part de dire que je les ai réunis, mais au moins c'est symbolique. Et ah oui, ça me fait penser à ça aussi. Pour la petite blague, l'enfant qui est là, c'est Porter, à 5 ans. D'accord. Voilà. C'est une photo colorisée ? Ouais. Toutes les photos sont colorisées. D'accord. Non, autant pour moi. Non, juste celle de sa mère, autant pour moi. Ça a été retravaillé par quelqu'un ou c'est une pellicule ? T'as aucune idée. Non, honnêtement, c'est les photos que j'ai récupérées. Par la nièce sur le site Find the Grave, c'est elle qui les avait mis. Donc j'ai pas demandé. Honnêtement, j'ai pas demandé. Parce que ça fait déjà un peu de recherche. Puisque je te disais, c'est que je cherche aussi les soldats qui potentiellement sont morts en même temps que lui. Par exemple, ouais. Là, je suis pas mal en train de rechercher sur un Mouronnac, Mouranac. Mais voilà, c'est 4 ans de recherche pour arriver à trouver une photo et un bout de vie de soldat. Si je commence à me mettre sur un autre, je suis pas sorti de l'auberge. Mais si j'ai un petit message pour toutes les personnes qui font des recherches comme ça sur des soldats parce que vous avez une raison personnelle, lâchez rien, allez-y au culot, parce que moi ça a vraiment été que ça, de la chance, parce que à un moment donné j'ai envoyé un mail à un mec complètement inconnu. Qui pour une raison que j'ignore, c'est un peu pris de passion pour mon histoire. Mes chevilles gonflent un peu, mais peut-être. Et qui d'un coup m'envoie des tas de documents alors qu'il a aucune raison de le faire. On se connaît pas. Et le gars du site internet là, on a dû s'échanger une quarantaine de mails. Donc il n'y a pas passé cinq ans, mais il n'avait pas de raison. Pour lui, c'est du temps. Il n'avait pas de raison de s'intéresser à un petit Français qui fleurit un soldat quasiment anonyme de la bataille de Normandie, quoi. Donc c'est assez touchant qu'il soit. Mais on le voit bien quand on est en Normandie, quand on croise des vétérans ou des familles, même des soldats qui ont fait le Vietnam, quand on les croise en Normandie, ils sont très 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 touchés par ce qu'on fait. Ça m'a toujours beaucoup étonné qu'ils soient à ce point-là. D'ailleurs, ça me fait penser que la nièce, est, comme ils sont très croyants, est toujours très très touchante. On me dit que c'est pas le hasard, c'est Dieu qui a voulu ça. Et
ça fait, enfin, ouais, encore une fois, c'est un peu délivré, mais ça se fait se poser des questions. Il s'est engagé le 11, elle est née le 12, moi le 13. Il y avait combien de chances pour que ça arrive? Combien de chances pour qu'on soit sur ce créneau de date? C'est improbable. Donc ça rend le truc encore plus touchant, quoi. Et tu n'as trouvé aucun rapport? Parce qu'ils rédigent des rapports quand il y a des rapports d'incidence, quand il y a des blessés ou des tués. Et tu n'as aucune main là-dessus? Alors, pour l'instant, non. Parce que comme je te disais, c'était il y a 2-3 mois que j'ai eu cette info. Donc, pour l'instant, je me suis pas du tout intéressé à la 325, en tout cas aussi fort que je le devrais. Par contre, le gars du site internet m'a envoyé ceci. C'est vrai que je vous les ai pas montrés. Effectivement, tu as raison, des rapports d'incident, donc datés du 19 juin. Donc, j'ai un rapport d'incident en fait de la 325. Ouais. Et voilà, donc là j'ai des détails où ils étaient, voilà, ils ont passé la douve à 23h, 23h50, et ils étaient du côté de, voilà, Étienville. Donc voilà, donc il faut que je me mette à farfouiller ça, à chercher. Mais là en fait, c'est la même blague. Par exemple, je connaissais pas du tout le Camp Marche. Donc j'ai tapé ça dans Google, Camp Marche 1944, et là il m'a sorti deux ou trois bouquins en anglais, qu'il va sûrement falloir que j'achète, un bouquin en français. Donc là, je suis reparti pour 1 an de recherche avant d'être capable de peut-être trouver de l'info fraîche. J'ai trouvé un roster, donc en anglais c'est le listing complet des soldats d'une compagnie. Donc là, j'ai trouvé le roster du 325. Porter est pas dedans, ce qui m'embête beaucoup, alors que Mouronnac est dedans. Et en plus, quand on regarde à la ligne de Mouronnac, il y a une mention où il s'est écrit transféré de la 401. Donc c'est-à-dire qu'ils savaient, ils sont capables d'identifier quel soldat était de la 401 au moment de leur transfert. Et malheureusement, dans le roster, Porter n'y est pas. Alors que Mouronnac est dans la liste des tombes sur laquelle il y a une erreur. Alors par contre, là où je suis un peu idiot, mais je n'avais pas fait le rapprochement, c'est que Mouronnac est aussi enterré à Colville. Donc il faudrait que j'aille voir sa tombe pour voir s'il est 101 ou 82. D'accord. Question, quand tu parraines un soldat sur des cimetières comme ça, tu as à l'accueil, tu peux avoir l'historique du soldat. On l'a jamais fait. Mais Vous avez pourtant, jamais été à l'accueil voir ce qu'il y avait dessus? on y va 2-3 fois par an. On n'a jamais été à l'accueil. On rentre dans le cimetière, on est en tenue, on va poser nos fleurs, on prend nos photos, on repart. En fait, c'est surtout qu'à chaque fois, on est toujours tombé sur des moments où on pouvait pas aller voir les tombes parce qu'il avait trop plu, il voulait pas qu'on marche sur la pelouse. Et en fait, à chaque fois, on a été obligé d'aller chercher un vigile pour qu'il nous donne l'autorisation de le faire, puisqu'on le fait pour les familles. Aurélien pour le meilleur ami de Bob, moi pour la famille Maccabi, etc., etc. Et on ne s'est jamais arrêté pour demander. Faudrait qu'on Bah, le il me fasse. semble, hein, je te garantis pas à 100%, mais il me semble que quand tu vas, peut-être que quelqu'un va pouvoir nous dire si quelqu'un est aux fleurs de la mémoire ou votre association ou même en indépendant, que quand tu vas à l'accueil, tu peux avoir un historique du soldat, il me semble. Et moi, ma question du coup, puisque je pensais que tu l'avais fait, c'est comment on fait pour alimenter ce genre de registre? Est-ce que la BMC est en mesure de toi d'étudier ton dossier, de regarder ce que tes recherches, et de pouvoir enrichir en fait le dossier. Ouais, voilà. Alors il y a le Mamelle, ce pseudo toujours. Faudra changer ce pseudo qui dit que oui, il y a l'historique. Donc ça se trouve dans Porter, tu as un petit historique déjà. Et si tu l'as pas, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir l'alimenter, tu vois, de façon à ce que peut-être que quelqu'un fait des recherches également sur ce monsieur et puis les infos croisées des fois. Des fois, ça peut. C'était un des vigiles qui nous avait conseillé de contacter les personnes qui gèrent le cimetière de Colville pour avoir des dérogations spécifiques pour les familles quand on va fleurir les tombes, parce qu'à chaque fois on est emmerdé, on est obligé de demander des autorisations pour passer au-dessus des cordages, puis forcément on veut pas le faire sans autorisation, on a trop de respect pour ça. Et bon, le Covid, le machin, la vie privée, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais maintenant que t'en parles, ça m'a remotivé. Je vais noter ça quelque part. Bon, enfin ça. Bah ça peut être intéressant hein, des fois. Par exemple. Mais t'es le premier qui me parle autant du cimetière. Tu vois, quand tu me dis, ah bah tiens, contacte-les, peut-être qu'ils peuvent refaire la tombe, je savais même pas que c'était possible.
Bah, nous, c'est les infos qu'on a eues de quelqu'un qui bosse là-bas. Qui nous a dit que dans le cas où effectivement l'erreur est constatée et approuvée entre guillemets par la BMC, ils peuvent refaire les tombes. Comme je disais, hein, là où je sais pas comment ils décident, je sais pas si c'est des commissions, je sais pas du tout, et je sais pas s'ils le font dans tous les cas. Après, peut-être que eux sont aussi en mesure de te dire pourquoi c'est. Ça se trouve c'est pas une erreur entre guillemets, tu vois. C'est peut-être il y a peut-être une raison de pourquoi c'est marqué comme ça sur la tombe. Je rapole, je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Mais parce qu'en fait, pour le coup, il était vraiment du 401. Ça, c'est pas une erreur. Le régiment a été édité, il a servi. Ils l'ont pas renommé le régiment. Donc ça, c'est sûr. C'est son rattachement de parrain. Donc parce qu'en plus, ça doit coûter un peu de sous à faire ce genre de bricole. Là, oui. J'imagine qu'il doit y avoir parce que ça veut dire qu'ils sont obligés d'enlever celle qui était posée. Il doit y avoir une espèce de cérémonial où ils l'enlèvent, ils remettent la neuve. Il doit y avoir un. Mais bon, je le ferai. Promis, je le ferai. Je peux pas passer à côté de conseils comme ça. Moi, j'ai entendu dire. Je sais pas si c'est vrai. Peut-être que quelqu'un va nous confirmer. J'ai entendu dire que ça, c'est les accords qui ont été passés à la capitulation. J'ai entendu dire moi que les pierres des cimetières américains venaient d'une carrière en Italie. Et Alors attends, Sébastien, pour son soldat, je viens de trouver la raison du pourquoi c'est écrit comme ça. Je te l'envoie en privé. Ah, tu vois, on avance. On avance et il y a peut-être une raison. Que des coups de bol en permanence. Voilà. Et du coup, je reviens à mon histoire de carrière. Et pendant les accords, enfin pendant les redditions, les capitulations, ils auraient passé un accord comme quoi les carrières italiennes doivent être en mesure de fournir des pierres tombales à vie à l'armée, enfin à la BMC. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Ouais. Je ne sais pas. Après, combien même ça leur coûte de changer une tombe? Je pense que s'ils sont en mesure de le faire et puis que ils doivent de le faire, je pense, même si ça a un coût. Ouais, surtout qu'ils ont un vrai respect pour les soldats morts au combat. Et on sent bien qu'ils rigolent pas avec ça, quoi. Voilà. À la fin du live, du coup, je t'enverrai les infos que cette photographie a envoyées en privé. Ah, il les a envoyées des lives, ok. Ouais, c'est ce que j'ai en main pour son soldat. Je viens de trouver, ça vient de sauter parce qu'il y a un nouveau message. Et il me semble que c'est vrai. Il parle de l'Italie. De l'Italie, ouais, de l'histoire de la carrière. Moi, j'avais entendu dire ça, j'avais jamais vérifié l'info. C'est ce que j'avais entendu. J'ai entendu dire plusieurs fois. Mais et du coup, tu vois combien même il s'est à changer s'il y a une erreur parce que c'est pas dit. Ils sont en mesure de le faire. Non, mais depuis qu'on parle, etc. Je vais le faire. Je peux pas me permettre de passer à côté et un jour de te croiser et te dire oh non j'ai la flemme machin. C'est complètement stupide. Il y a une satisfaction personnelle de le faire aussi. Quand j'ai une erreur s'il y a, ouais, complètement. Ouais. Et puis je pense que les gens de la BMC, ils ont l'habitude, ils savent te diriger. Je pense qu'ils ont déjà leur formulaire, leur protocole. Même si ce sont des gens qui sont assez carrés et tout ça, il y a pas de. Je pense qu'ils sont en mesure de le faire. Ils font sûrement leur propre recherche aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait pas des commissions ou des mecs qui double vérifient l'info à droite à gauche pour être bien sûr que je leur vends pas du flan en ayant trafiqué les trucs sur Photoshop ou je sais pas quoi. Bon, ça serait je pense que ils font leur enquête de leur côté. Après, est-ce qu'ils ont des gens qui font des recherches? Je sais pas s'ils font des recherches d'eux-mêmes, entre guillemets. Ah bah non, bah t'imagines. 92 hommes soldats du 300 sont en 401 au cimetière définitif. Non, ça c'est normal. Le 3325 c'était le 2401. Donc ça j'ai aucun problème avec ça. Ouais, Seb, c'est plus le 80. Il est noté 101e alors qu'il était rattaché à la 82e. Le 325e étant le régiment de gliders de la 82e, c'est là où ça me pose j'ai un truc qui coince. Mais le 3325 égale 2401. Il y a pas de, et le 3327 égale 1401, 327e étant le régiment de gliders de la 101e. Ouais, moi là, je vous ai perdu, là. Quand vous rajoutez des chiffres comme ça, là, ça me. Ouais. Parce que c'est hyper chiant. La 401, elle n'a pas été désactivée. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, par exemple, alors j'ai peut-être dit une grosse bêtise, mais au moins ça va tous nous parler. Je crois que la 101,
Non, je vais dire une grosse bêtise et ils vont tous me tuer. Mais par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, il y a des régiments qui ont été activés pour la première, qui ont été désactivés à la fin et qui ont été réactivés à la seconde et désactivés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le 401 n'a pas été désactivé. Il a vraiment été rattaché en tant que troisième bataillon du 325. Mais ils avaient toujours leur nom, leur appellation du 401e. D'ailleurs, quand on lit les bouquins, en particulier sur la 101, ils ont plus de facilité à parler de la 401 que du 327. Me demande pas pourquoi, parce que peut-être que l'incorporation s'est mal faite, ils ont débarqué à Utah et pas par les planeurs. J'ai pas vraiment de. Là, j'extrapole un peu, mais on parle peu du 3327. Ou alors, ils écrivent 3327 entre parenthèses 1401. Ils font correctement ce distinguo. Qu'ils ne font pas sur le 3325. J'ai moins l'impression. Ah, d'accord. Alors encore une fois, comme je suis en train de démarrer mes recherches, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai moins cette sensation parce que pour le coup, le 325, il a vraiment été amené par planeur. Il n'y a pas eu tant de débarquement que ça sur Utah pour ces Ouais, gouverneurs-là. juste qu'officiellement, le 2401 devient le 3325 le 1er mars 1945. Oui, c'est ça. Donc après 44. Ce qui c'est ouais, c'est ça, t'as complètement raison. Mais comme c'est après 44, quand ils ont fait les tombes, je ne suis pas choqué de ça. Et Seb, est-ce que t'aurais toi une idée de pourquoi ils ont noté 101e sur la pierre tombale et pas 82? Ouais, c'est Si moi, jamais. si j'avais cette info-là, et là c'est génial, parce que là je peux orienter mes recherches parce que dans le document que je vous ai montré, quand il a été enterré à Sainte-Mère, il était bien mentionné au 82. Alors après, je Ah sais oui, plus. Alors, à Sainte-Mère, bien, il est mentionné 82 et c'est lors du transfert de Colville que ça semblerait. change. Ouais, c'est ça. Je vous le remontre. Voilà. Da, Ouais, d'accord. mon porteur, ma cabine, voilà. Ouais. Et là, 482. 80, effectivement. Ah, À Sainte-Mère, le 12 octobre. Donc là, après, je crois que j'ai un document qui traîne sur les. Ah, c'est dans le lien. Bon, on va voir. non, tu Mais verras j'ai ça après. envie d'arrêter le live tout de suite pour aller bouquiner. Oh, bah salut, merci. C'est sympa. Quoi que je disais, je crois que sur la pierre tombale qui a été décidée donc au moment de son transfert, c'est 101e qui est écrit. Donc en fait, quand les mecs ils ont tapé la pierre, ils se sont pas posé de questions et l'erreur elle a été faite au moment du transfert et de la commande, on appelle ça comme ça, la commande des différentes pierres tombales pour le cimetière. Je sais même pas quand est-ce D'accord. qu'il est constitué le cimetière de Colville. Là, tu me poses une colle, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire là, Google est ton ami, hein. Je pourrais pas, de tête comme ça, je pourrais pas te dire. Ça a été fait tout de suite après, ça a été fait très rapidement, Colville. Ça a été fait 47, 48, je pense. Je sais pas si quelqu'un peut regarder sur Google, mais je pense que Je suis en train de le 48. faire. Je suis en train de le faire. Attends, enfin, ouais. Ok, t'as PC sous la main. Mais je pense que ouais, Colville, je dirais 47, 48, à peu près. Il y avait le cimetière de Saint-Laurent qui a été établi le 8 juin. Ta, 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 ta. Wikipédia, trop d'infos. Trop d'infos, tout Il l'info. n'y a pas, il y a pas, il y a pas la date de construction. Bon, en fait, parce que comme on est en live et tout, 47. Ouais. 47, je crois. Ouais, je pense que c'est dans ces années-là. Ça a du sens, hein, ça a complètement du sens. Ah, mise en service le 1956 dans Wikipédia. 1956. Ouais, mise en Je sais service. pas. Je sais pas comment. Enfin, c'était parce qu'on s'intéresse tous, c'est vrai, à cette période de 39, 45, mais. La gestion de l'armée américaine, après, c'est fait après la guerre, et je sais pas si, 56 de Martin Sidwell, comment ont été gérés les cimetières provisoires de Sainte-Mère et tout ça, comment ils ont fait les transferts, enfin, je sais qu'on s'est intéressé pas mal avec un groupe sur Colombières, où il y avait l'hôpital de campagne, et il y avait aussi un cimetière provisoire, et effectivement, il y a quelques photos je sais pas si elles sont très connues, mais il y a quelques photos où ils sont en train de ressortir les corps de Colombières pour les transférer sur Colville ou les États-Unis. Ça dépendait du souhait des familles, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est ou alors je me trompe, hein, mais qui est pas tellement traité et qui est Non, pas c'est vrai qu'on le lit peu dans les bouquins, mais tu vois, petit mamelle qui disait 47, mise en service 56. 10 ans pour établir un cimetière de cette taille-là, ça me paraît pas déconnant.
Non, puisque je pense qu'il y a, il y a vachement de travail derrière en plus. À arranger, à faire la chapelle, etc. Et qu'en 56, ils l'ont ouvert au public, je serais pas très très étonné. Est-ce qu'il y a la Tu vois? possibilité? J'ai pas vu le message là, il est Alors, reparti. il a dit, est-ce qu'il y a possibilité de quoi? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir les documents en photo? Non, pour l'instant non, j'en fais, je les garde à titre personnel, parce qu'en fait j'ai surtout besoin d'avoir les autorisations des différentes parties qui m'ont donné les photos. Par exemple, la photo de porteur, à chaque fois je mets toujours le copyright par la famille, parce qu'elle m'appartient pas. J'ai aucun droit de diffuser ce genre de document. Je vais demander à pouvoir le faire, parce que si effectivement j'arrive à trouver l'excès de tout ça, je serais assez fier de le mettre en ligne et de le mettre au public à disposition gratuitement, mais j'ai besoin des autorisations. Et je le ferai. Je le ferai. Il me semble que les transferts de corps ont lieu de 47, mais à confirmer. Oui, il me semble aussi, hein, Ah, de c'est mémoire, vrai. comme ça, que ça a commencé plusieurs années après la fin de la guerre. Mais ça a du sens, hein. Tu vois, mise en service 56, ce qui fait 70 hectares quand même, hein. 10 000 corps. C'est bien probable que 10 ans pour transférer, parce que c'est pareil, sortir des soldats de terre qui sont là depuis un an ou deux, dans le respect de leur corps, etc. Enfin, bon, on va peut-être pas tergiverser pendant 20 minutes là-dessus, mais effectivement, c'est obligé que ça prend du temps. Il me semble que c'était fait par les prisonniers allemands, ça. Il me D'accord. semble. Ouais, Bon. je te reconfirmerai à la suite, mais il Ah me ouais. semble qu'à Colombières, Seb, si tu es toujours là, il va pouvoir me le confirmer. Il me semble qu'à Colombières, ce sont les soldats allemands qui, bien sûr, hein, des Américains, et c'est les Américains qui géraient les registres et tout ça, mais il me semble bien que ce sont les soldats allemands qui déterrait dans les cimetières provisoires. Seb, il va peut-être pouvoir me confirmer ça. Il me semble qu'à Colombières, c'était le cas. Je suis pas sûr à 100%. Autant je savais qu'ils vont envoyer les soldats allemands pour déminer les plages, ça je vois bien. Je Oui, vois bah bien oui. l'intérêt. C'était les Français Ah. surveillés par des MP à Colville. D'accord. Des Français surveillés par des MP? Ah ouais. À Colville, ouais. Ce serait Alors, étonnant que ce serait étonnant, enfin ouais, bon, remarque qu'il laisse des ah ouais, non moi si c'est ça qu'il laisse des Allemands toucher le corps de leur frère d'armes tombé au combat, je trouve ça étonnant. je veux pas être trop, tu sais, vulgaire imagé, mais bah on leur laissait faire le sale boulot, quoi, parce que je pense que Oui, déterrer les corps bah est agréable, au moins les déterrer, je pense. Donc Seb, tu me confirmes bien qu'à Colombia, ce sont les Allemands qui ont déterré les corps américains qui étaient enterrés dans le cimetière provisoire en face de l'hôpital. Oui, peut-être pas partout. Au moins à la Colombière, c'est sûr. Ah oui, ça peut avoir du sens. Surtout s'ils l'ont fait tôt. Je pourrais pas te dire à quelle époque ils l'ont fait, mais moi j'ai en tête une photo où effectivement ce sont des soldats allemands qui creusent. Alors j'ai un gros doute de savoir si c'est la photo, si c'est pour les enterrer ou pour les déterrer, mais il me semble que c'est pour déterrer. Il me semble. Autant ce qui est sûr, c'est qu'ils utilisaient les soldats pour creuser les tombes, les fosses. Ça, c'est sûr. Et pour les redéterrer, pour les transferts, bon, remarque, oui, sûrement, hein, ça doit pas être très drôle, hein. T'as confirmé, hein, je garantis pas à Oui, 100%. non, Hein. mais bon, non, mais par contre, effectivement, le côté, ouais, confirme. Confirme, ouais. Il y a des photos. Il y a des photos. Oui, c'est les soldats. Bon, tu vois. Il me Non, semble mais ce qui a du sens, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est pas très drôle, mais aller chercher le corps d'un homme qui est enterré là depuis quelques semaines, les odeurs, les. Ouais, voilà, complètement. Parce qu'on a avec Seb, on a pas mal travaillé sur Colombière. On a eu le droit de voir des photos qui sont pas publiées, qui sont pas. Ah, c'est pour les Ouais. enterrer. Ah, c'est pour les enterrer, voilà. Bon, tu vois, j'avais un doute. J'avais un doute, c'est pour les enterrer ou les déterrer. Mais là, ça me fait moins Alors, bizarre. Mais bon. l'existence de quelqu'un qui a une série de photos sur Colombière qui sont pas sur le net et qui sont privées. Et il me semble, dans la tête, j'ai encore cette photo là où il y a des soldats allemands, mais Seb me dit que c'était pour enterrer. Tu vois, j'avais un doute, j'ai bien fait demander confirmation. Right. Je note qu'il est déjà 22h26, on fera gaffe de ne pas se faire couper en plein milieu de. Ouais, il nous reste environ 5 petites minutes. Si tu avais un petit truc à rajouter. Oui, c'est ce que je disais quand j'ai fini ma conclusion, c'est que pour tous ceux qui cherchent des infos sur des soldats, baissez pas les bras, c'est long. N'y passez pas des heures, ça sert à rien. Faites segmenter un peu vos recherches. Allez-y au culot.
Typiquement, moi, je suis un idiot, j'aurais dû demander au cimetière s'ils n'avaient pas de l'info. Je l'ai pas fait. J'avais cherché un peu sur les fleurs de la mémoire, etc. Puis j'avais été un peu, pas déçu, mais étonné qu'il y ait une association française que tu dois payer pour entrer dans l'association pour aller déposer des fleurs sur des tombes. Il y avait un truc qui m'avait un peu, pas gêné, mais que j'avais trouvé un peu étonnant là-dedans. Français. Mais bon, voilà. Et ouais, baissez pas les bras parce que malheureusement, enfin, oui, ils étaient des milliers à venir nous libérer. Il y en a plein qui sont morts. Il y a 10 000 tombes à Colville. Il y en a plein qui étaient des anonymes. Mais par exemple, Aurélien l'a très bien dit. Bob, quand il est rentré, il en a sûrement très très peu parlé de ce qu'il a vécu au combat. Donc en fait, c'est tabou, le mot peut-être un peu fort, mais j'imagine pas la famille Maccabi parler du premier frère. Non, c'est le deuxième fils de la famille mort au combat en Normandie. En plus de ce que je comprends, ils ont pas transféré à la famille les raisons exactes de la mort pour pas les choquer. Donc c'est malheureusement, il y a sûrement des milliers de soldats où c'est très très compliqué de trouver leurs informations. Mais bon, baissez pas les bras et voilà, moi j'en suis la preuve où j'ai eu une chance folle et j'avance. Mais ça fait 4 ans que je suis dessus. Il existe des groupes Facebook où on peut échanger des infos comme ça, je pense, au Facebook, hein, parce que c'est plus propice à avoir des groupes que sur Insta. Mais ça doit exister, ça. Ouais, complètement. Mais en fait, même problème, c'est que ça prend un temps tellement fou que y a un peu d'entraide, mais c'est léger. On te file 2, 3 liens, et on te dit bah démerde-toi, va voir sur le site du gouvernement américain, etc., etc. Parce que rapidement tu t'engraines dans des trucs où ça prend des proportions et un temps de fou. Je serais le premier à vouloir aider les gens, mais oh là là, le temps que ça prend, c'est incroyable, incroyable. Ou Ouais. alors sur un soldat où en fait il y a déjà tout et en fait t'as pas de recherche à faire. Ça peut arriver. Ce qui peut être pas forcément plus intéressant. Parce que je Ouais. pense qu'il y a quand même un petit truc. Enfin, tu dois dans ton salon, quand tu tombes sur des infos, tu te mets à crier Eureka, quitte à réveiller ta femme, je pense, tu vois. Ouais, moi j'ai dormi plusieurs fois dehors, elle m'a jeté par la fenêtre, faut pas. Ouais, bah ouais, non mais le jour où j'ai rencontré la nièce, le jour où j'ai eu la photo, ça fait cucu, mais t'as les papillons dans le ventre, quoi. C'est un accomplissement. C'est complètement un accomplissement. Et c'est étonnant parce que c'est même pas quelqu'un de ma famille. Je les connais pas, je les choisis par hasard au milieu des 10 000 tombes du cimetière pour faire une tenue de glider. C'est J'ai aucune raison finalement, j'ai aucune raison personnelle. Et pourtant, Mais tu regrettes pas. ah non, 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 non. Et puis je m'arrêterai pas. Ouais, Je leur voilà. aurais promis que je ferais pas jusqu'à ce que je puisse plus me déplacer. Non, aucun regret, aucun regret. Non, Bah c'est... Nico, non. ça va pas couper tout de suite, mais il va rester 2 minutes, même pas 2 minutes. Merci pour ce portrait. Merci à toi d'avoir pris le temps. Ben non, c'est un plaisir. C'est moi je découvre. C'est enfin, on a comme on l'avait expliqué depuis le début, on fait ça un peu. On avait commencé pendant le confinement à l'époque où on était tous confinés pour passer un peu le temps. C'est super intéressant. Toutes les semaines, je reçois des messages de votre part qui sont super sympas et qui nous motivent à continuer en nous disant que c'est super intéressant, que vous avez appris des trucs, vous nous donnez des idées. On prend note. Hein, il y a des trucs. Il y a un message là. Il m'a fallu 10 ans pour trouver des informations de la photo du soldat. Les parents parrain, j'ai pleuré, crié quand je l'ai retrouvé. C'est un sentiment de fou, comme quoi. Donc ouais, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages après les lives et après les comment les comment le replay, parce que vous êtes plus nombreux à regarder le replay qu'à regarder le live, si je comprends, parce que le soir il y a les enfants, il y a la télé, enfin bref, des fois on n'est pas Alors, je non crois plus. qu'on peut bien soldat arrêter ce soir de la télé. Ouais, donc là je vois même pas combien on est, si on est 15, tu vois, on n'est pas nombreux par rapport aux autres soirs, donc voilà. Il nous reste 30 secondes. Donc voilà, Nico, je te remercie. La semaine prochaine, on parlera artillerie avec Peter. Ouais, ça va changer et ça va être intéressant. Et je lance un petit Vas-y. appel dans les 15 dernières secondes. Ça manque de filles. Si on pouvait avoir aussi un petit portrait ou un petit côté, une petite vue féminine. Voilà, je vous dis à bientôt sur D-Day Live. Merci. Salut! Salut.